Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Comment ça va toi? Ça va, ça va. Voilà, parce qu'avant-hier, il a fait le 30 km sur le trail d'Alcézar. 1400 des plus. Ça va les jambes? Ouais. Bon. Faut pas être trop mis touché, quoi. C'est un peu douloureux encore. Alors bon. Aujourd'hui, on est encore en congé. On va aller faire le pic de Saint-André. Enfin, on va tenter d'aller faire le pic de Saint-André, qui est juste derrière nous. Petite balade au-dessus de Gavarnie. Et puis, on va aller voir comment ça se passe. Il fait beau. Il fait beau, ouais. On va en profiter. Hein. Ouais, ouais. Allez, go. Oui. Ah, le pic Saint-André, c'est celui-ci. Il y a deux personnes sur le sentier. Il y a 2 jours. Moi ça me va. J'ai pas de jus à coup. Tu devrais faire des trails plus souvent. Je vais essayer. Ouais. C'est raide l'arrivée au col. Un peu, hein. Comme souvent à l'arrivée d'un col. Oui. Ça y est, on arrive au col. Col d'Espessière. On va être un peu protégé du vent là peut-être. Ah, il n'y a plus de vent. Ouh, ça fait du bien. Ah ouais, ça saoule. Ouais. Ça saoule et ça coupe le souffle. Il y a de la pente. Hein. Je disais, il y a de la pente, il vaut mieux pas trébucher. Ouais.
repart. Ouais. Il fait froid, hein. Ouais, tu vas, il fait froid. On mangera plus bas, hein. Bon, tu fais attention à la descente. On voulait faire celui-là, mais ça se coûte trop. Non, le son blanc des espacières. J'ai jamais un peu raide, donc il faut que tu fasses un peu agile. Ouais, non, mais... c'est ça, une crampe qui se déclenche là. On reviendra le faire ça une autre fois, mais. Bon, allez, vite, on descend parce qu'il fait froid. Il fait froid, là, ouais. Bon, ça y est, on a attaqué la descente. On arrive dans la partie qu'on n'aime pas trop. C'est un peu en dévers. Et on va rejoindre le col au niveau du pylône là-bas pour remonter en face. T'en chies un peu, non? T'as les cuisses dures? Ouais, les cuisses dures parce que j'ai aucune souplesse et puis je mange genou. Pas facile, prenez ça là. Faites du sport, qu'ils disent. Ouais, pas tous les jours. Ouais, fais attention. Je ne suis pas le plus souple de la planète. Ouais, t'es pas le modèle de souplesse. Ça va? Oui. Comme dirait l'autre, t'es pas le balai le plus souple du placard. C'est ça. Et le couteau le plus affûté des tiroirs. Ouais, il y en a plein des comme ça. La truite la plus oxygénée du lac. Ouais. Hein? Après, on bouge. Allez, on continue, va. Allez, va. T'as vu, on arrive de là-haut. C'est raide. Le lac des Espessières, le col des Tentes. Allez, on y est bientôt. J'ai dû amener les raquettes. Eh ouais. Allez. On repart. Ouais. On s'est arrêté, comme vous l'avez vu, juste un petit peu en dessous parce que là, ça souffle fort.
Alors, on aperçoit le chemin qui passe sous le taillon pour aller au refuge de Saradette et à la brèche. Allez, plus que quelques mètres et on y est. Bon, ça descend un peu raide, mais il faut faire attention où on met les pieds, mais ça descend. Ça va toujours les cuisseaux? Ah, c'est le genou qui me fait mal. Ah. Donc trop penché. Prends ton temps. Bon, ça va, oui.
Descendez. On a des chasseurs de papillons. C'est des papillonologues. Ah oui. Je t'avais quoi avec eux. Alors on a le col des tentes et le parking tout au loin là-bas. Ici c'est pour rejoindre la cabane du soldat. Et on peut rejoindre Gavarnie également, indiqué en 2 heures, et la cabane des soldats que l'on aperçoit là en 30 minutes. C'est beau, hein? Ouais. On s'est régalé encore. C'est beau, hein? Gavarnie, c'est toujours beau, ça, hein? Ouais. Retour Boucherot, il est toujours très long. Hein. Oui, mais c'est que beau. Que tu viennes de. C'est beau, donc on peut mettre le paysage. Ouais. Ça va regarder où on met les pieds. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a de quoi voir. Ouais. Le pic entre deux ports est derrière, là-haut. On a descendu toute cette pente-là pour arriver au port de Boucherot. La cascade et au-dessus le col qui mène au refuge de Saradette. C'est magnifique ce retour. Bon, ben ça y est, hein. Ça y est. On l'a fait, le pic Saint-André. On a même croisé un monsieur qui s'appelait André là-haut. Ouais. C'est pour ça que c'est le sommet, parce que ouais. Pour faire le sommet de Saint-André. C'est rigolo. Bon, donne-nous les chiffres. J'ai dit 5,5 km et 560 des plus. Ouais. Ça ira, pour moi, ça ira largement. Hein. Mais c'était très sympa. Oui, c'était magnifique. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour se régaler. Non, on ne connaissait pas, une jolie découverte. Enfin, on ne connaissait pas, on connaissait le col des tentes pour être allé au Taillon, à la Brèche, derrière le Descargador, la Vire, la Farra des je ne sais plus quoi là. Escuzana. Escuzana, mais bon, ces deux petits pics-là, on ne les avait jamais fait, donc bon, on s'est régalé. Oui, très sympa. Voilà. Et bien, on vous dit à une prochaine. Oui, on va essayer le week-end prochain, si la même météo. On verra bien. On verra. En attendant, je vais rentrer. Enfin, on va rentrer. Oui, je rentre si vous. Je reste pas là. Je vais me coucher, moi. Et je vais faire la vidéo. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ah, on a fait check. Check. Allez, ciao, ciao. Ciao.